moi sur Tipeee. Vas-y, abonnez à la chaîne, à me laisser des likes ou des commentaires. Et je suis également sur Tipeee. Vers la fenêtre. Et à ce moment, on a vu l'assaillant avec le couteau et le policier qui lui disait « Jetez votre arme, jetez votre arme. » Il y a eu deux formations. Et à ce moment, il s'est dirigé vers le policier. Et c'est à ce moment, voilà, avec le couteau. Et c'est à ce moment que le policier a tiré. Aussitôt, un périmètre de sécurité est établi autour du bâtiment, sous les yeux ébahis des badauds. Les rues longeant la préfecture sont fermées à la circulation. Après le préfet de police, le procureur de la République, Christophe Castaner, Édouard Philippe et Emmanuel Macron se sont rendus sur place. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Elle devra faire la lumière sur les motivations de l'agresseur. Bien, bonjour mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je fais cette vidéo un petit peu pour parler de ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris. Bon, pour ceux qui ne le savaient pas, un monsieur a tué ses collègues à la préfecture de Paris. Alors, les raisons sont encore expliquées. Enfin, ce n'est pas un terrorisme qui est forcément une religion quelconque à Pétain-Boulon. Alors, ces choses-là, alors, il y a sûrement une raison très personnelle à cet homme à voir tuer les gens. Enfin, ouais, voilà, il aura peut-être plus, on n'en sait rien. Mais bon, ça passe aux infos au bout depuis 14h cet après-midi. Je voulais juste faire une réaction parce que moi, ce genre de choses, ça me choque même plus. Ça me choque même pas, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société qui dit, bah, c'est comme pas possible. Ça court dans tous les sens, ouais. Enfin, à l'heure, à certains rendez-vous, ça court dans les sens, dans tous les sens, pour avoir un job, pour faire plaisir aux gens, enfin, voilà, ça c'est une chose. On est dans une société qui est complètement folle, en fait, qui est complètement absurde. Moi, les choses comme ça me choque plus, parce que les gens sont tellement dans une misère, dans une misère financière, dans une misère émotionnelle, dans une misère de quelque façon. Alors, c'est pas pour et les gens, hein, c'est pas pour donner un péjoratif ou dire, voilà, les gens ne se préparent pas, c'est les blaireaux, c'est pas ça ce que je veux dire, c'est juste que il y a quand même des choses éphémères aujourd'hui dans cette société qui sont absurdes, qu'il y a des gens, ben, ils perdent la boule. Ils perdent la boule, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Je pense que si cet homme a tué ses collègues parce qu'il ne s'entendait plus, il y avait, je sais pas moi, une histoire de cul là-dedans, ce qui est bien souvent le cas, bien des fois, quand il y a des émotions trop fortes, l'être humain n'est pas forcément capable de se contrôler. Je suis moi-même. J'ai moi-même été dans ces cas-là où la colère m'emporte maintenant que je n'ai pas réussi à me calmer et à faire les bonnes choses. Bien sûr, alors attention, hein, je ne dis pas, je ne donne pas raison au gars. Hein. Entre guillemets, je m'en fous qu'il a tué les personnes. Enfin, je m'en fous. C'est simplement pour dire que, certes, on s'en fout pas, mais d'une certaine manière, les gens, il faut qu'ils sortent de cette vie-là. Il faut s'ils voient que
qui sont pas aptes à quand ça s'exprime, qu'ils arrêtent de l'être, d'une certaine manière, puisque ça se passe quand même dans un lieu, un préfecture de police, quoi. C'est quand même un peu... Waouh! Donc, on peut se poser des questions sur la société en elle-même. Parce que pour moi, je pense aujourd'hui, s'il y a tellement de gens qui sont en dépression, qui sont obèses, attention, je parle de l'obésité, voilà, mais pas de maladie, hein, attention. Et les gens aussi fatigués, aussi stressés, maladies, dépression. Tout ça, c'est que, avec tout le système qui mérite, mais. Comme dis-je, Metallica, Master of Puppets, c'est que la société, elle est endormie. Et tout ça fait, c'est fait pour bien de choses, diviser pour mieux régner. Je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos. Mais pour revenir au problème, le truc, c'est que il n'y a plus de solution miracle. C'est juste que les gens doivent se réveiller. Se réveiller. Du fait, on est dans une société complètement absurde et aberrante. Et le stress, la dépression, les problèmes financiers, tout ça, font l'homme vers la boule. Et je voulais vous mettre en garde face à ces dangers, face à ces problématiques, qui, je pense, sont de plus en plus dangereux. Parce que si on continue comme ça, demain, je vais chercher du pain, et puis dire son premier venu, le premier mec qui m'a regardé de travers, et voilà. Bon. C'est un peu bordélique quand même. Et quand j'entends ça, et derrière, je parle aux gens, à certaines personnes dans mon entourage, je leur parle, ouais, l'effondrement économique, c'est pour bientôt. On va devoir se protéger, se préparer. On me dit souvent, ouais, non, mais arrête ton fin du monde, c'est complètement. Et quand je vois ça, je me dis, t'as vraiment raison, t'as vraiment raison, les autres, ils vont pas faire même. Moi, je pense, pour se protéger de cette société, il faut partir de cette société parce que ça devient extrêmement chaud et problématique. Si l'histoire nous avait montré d'autres choses, si l'histoire nous avait montré une autre manière de faire la guerre, ou de faire la guerre pour des raisons moins que ça, il faudrait pas s'intégrer. Et le problème, c'est que l'histoire sur la Première Guerre mondiale, ça a commencé avec pas grand-chose. Et malheureusement, on commence à être de plus en plus proche d'un effondrement ou d'une guerre ou n'importe, que si les gens ne se réveillent pas, la plupart des gens vont mourir. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, il y a 5 personnes qui sont mortes à Paris, les banques elles butent. Ciao les amis. On voit sur Tipeee, n'hésite pas à abonner à la chaîne, à me laisser des likes ou des commentaires.